Bienvenue à vous, content de vous retrouver, remuant, pour ne pas dire violent des fois. C'était nos numéros récents, pas mal d'histoires politiques, de philo à notre manière, en essayant, et je me demandais pourquoi, le temps de quelques verres. Je vais vous présenter aussi, vous montrer même pour quelques-unes des nouveautés, des bouquins, mais le temps de quelques verres. Ne pas, oui, pourquoi ne pas retomber sur un registre un peu plus, nous n'allons pas dire fleur bleue, autre rose, non, mais un peu plus sentimental, le cas échéant, un brin cafardeux, sans aucun rapport, hein, n'allez pas imaginer avec l'état d'esprit présent de votre serviteur, mais oui, c'est le titre d'ailleurs du premier poème que vous allez entendre, et pour changer. J'avais envie, et ce ne sera pas un exercice évident pour votre serviteur directement en traduction en langue française, traduction spontanée sur mon écran, un texte rédigé initialement en dialecte. Vous savez, en Wallonie, dans ma province de Hainaut, en Belgique, en région du centre, notre dialecte, on le désigne comme patois picard binchois, de Binche, de la ville où je réside. Et le monsieur qui a écrit ce poème, Cafard, on m'a toujours dit qu'il aurait résidé rue du Cygne, une petite rue perpendiculaire à notre grand-place, où j'aurais dormi les 3 ou 4, à tout casser, premières années de mon existence. Il s'agit de Monsieur Louis Dupire, dont mes concitoyens, et pas seulement, m'ont toujours rapporté à son sujet des commentaires on ne peut plus élogieux en tant que lettré sur son écriture, son œuvre en général, et aussi sur son assez, finalement, oui, son assez stupéfiante modestie. Il aurait toujours eu assez bien de mal, et c'était son point de vue que nous respecterons à lui, pour ce qui était d'encadrer l'idée que les productions écrites en dialecte, on aurait pu les mettre sur le même pied, pour ne pas dire le même piédestal au bout d'un moment que les productions, disait-il, de celles et ceux qui écrivaient dans la langue de Lamartine. Alors, voici Cafard. Adapté à ma manière, je l'ai puisé sur la page Facebook El Binchou, le Binchois, hein, qui nous propose régulièrement des textes en patois picard binchois. Il s'agit d'un vieil ami de Fernand Dessalives sur sa page Facebook. Alors, Cafard de Louis Dupire. Un jour, vous m'avez dit avec des yeux pleins de larmes, le vrai bonheur, personne ne le trouve jamais à sa portée. J'ai souri, égoïste, insensible à vos larmes, puisqu'à ce moment-là, je vous avais devant moi. Mais depuis que vous êtes parti, votre pensée m'ensorcelle et souvent plein de rancœur. Je me fais dans ma tête un tout petit carré blanc, tout entouré d'étincelles, le petit mouchoir blanc qui a essuyé vos yeux. Je trouve dans ces plis, maintenant que vous n'êtes plus là, en même temps que quelques reliques de nos ferveurs d'alors, des raisons de vous croire et de donner raison aux larmes qui ont chu de vos paupières ce jour-là. C'était, vous vous rappelez, quand s'en sont allées les hirondelles, quand sur la dernière rosée languit la dernière rose, le vent qui s'énervait embêtait les jeunes arbres et les feuilles sur les branches commençait à jaunir. Je pourrais, pourquoi pas, même si je ne suis pas la personne la plus désignée pour ça, mais ne serait-ce que pour vous donner une idée, faire une tentative de lecture, ne serait-ce que du début en dialecte, hein. J'ai quitté ma ville natale durant 20 ans, ce sera très approximatif, et ça,
Oui, je ne suis pas la personne la mieux désignée pour ça, rien à voir avec l'ami dont je vous parlais, avec mon ami Fernand, qui a toujours été connu en tant que comédien et avant tout en tant qu'interprète dialectal. On ne peut plus puissant, rien à voir avec lui, et je lui demande pardon si jamais il tombe sur ma vidéo. Mais voilà, hein, j'essaie. Un Joe m'avait dit, avec des i pleins de larmes, est le vrai bonheur, personne ne le trouve jamais de l'Élie. Et j'ai souri, égoïste, insensible à vos larmes, whiskas moumin là, je vous avoue de l'Émi, mais depuis qu'a c'était parti, vos pincées m'insorcellent. Et souvent, plein de rancœur, je m'en vas des smuchis, un tout petit carré blanc, tout entouré d'étincelles, le petit mouchoir blanc qui a frotté vos i. Bon, on arrête, parce que c'est vraiment catastrophique, mais c'était simplement histoire de vous donner une idée. Louis Dupire, je ne sais pas si je l'ai dit, à ne pas confondre, bien sûr, avec son homonyme québécois. Il a un homonyme québécois. Je suis allé vérifier, journaliste et auteur également. Ce poème, je pense qu'on peut franchement, oui, le mettre en vis-à-vis avec les vers qui vont suivre, médiévaux, moyenâgeux, comme vous préférez, du 15e siècle, tiré d'un recueil. Alors là, on parlait de rose il y a un instant déjà, eh bien. Le recueil de poétique anglo-bourguignonne La Rose Blanche du 15e siècle. Anglo-bourguignonne, vous savez que nos Pays-Bas d'alors, notre Belgique d'alors, c'était l'État Belgique-Bourgogne du temps où enseigne-t-on encore. Dans nos cours d'histoire, si l'histoire enseignée l'est encore, je l'espère, oui, on leur parle aux gosses, à nos enfants du temps où notre pays était bourguignon, hein, contractant quelque alliance dans le contexte touffu de la guerre de 100 ans avec les British. Alors oui, poétique anglo-bourguignonne, il y avait pas mal d'échanges culturels entre. L'école musicale, on ne peut plus radieuse, brillante, britannique, hein, à l'époque de la guerre de 100 ans, et dit sans chauvinisme aucun, oui, nos Pays-Bas bourguignons, qui étaient alors, les Italiens venaient volontiers faire leur classe, leur formation, ou la perfectionner chez nous. Nous étions à la pointe de la création musicale en Occident alors. Eh bien, c'est un compositeur, vous savez, dans notre histoire de ma ville de Binche, il a sa statue d'ailleurs sur le square, si un jour vous venez nous rendre visite, Gilles Binchois. Il n'est pas né dans notre ville, il avait peut-être des ancêtres. Sa famille était peut-être originaire de Binche, mais aujourd'hui, on peut avancer avec certitude on a longtemps pensé qu'il était né chez nous, mais non. Il avait vu le jour à Mons, à 16, oui, c'est à l'ouest, à 16 km à peine, notre chef-lieu du Hainaut, Mons, où aux alentours de 1400 Touron naquit ce merveilleux compositeur, dont je vous encourage à découvrir les œuvres, les chansons, entre autres. Gilles Binchois est l'un de ses grands amis, un peu plus jeune que lui et qui lui a survécu un bon moment. Lui était natif tout près de Mons, aussi de Saint-Guilain. Oui, notre natif de Saint-Guilain, Johannes ou Johan. Ockeghem, et c'est Ockeghem, entre autres, hein, il n'a pas dû être le seul qui avait mis en musique cette poétique de la rose blanche. Et j'ai découvert, nous retournons, voilà, je vais redevenir blême davantage quelques instants, nous retournons sur Internet pour pêcher cette fois. Et alors là, c'est une traduction
en français actuel qui a été réalisé par un nommé, un pseudonyme, manifestement, sur YouTube, oui, directement sur YouTube, pourquoi pas. Un arrobas Luc Vermeuil, il y a 9 ans déjà, avait passé son temps à rédiger cette très belle, très bonne translation en français actuel de ce poème. Et là, c'est mis en musique par Roquegem. Quand de vous je perds seulement la vue. Alors j'y vais, si le cœur vous en dit, de continuer à nous suivre en français actuel aussi. Quand de vous je perds seulement la vue, vous de qui je suis tant chéri, mon mal alors qui m'assaille si fort, qu'il s'en faut de peu que le cœur ne me faille tant je suis de douleur éperdue, parce que je suis devenu vôtre plus que quiconque existant sous le ciel, toute ma joie prend fin. Quand de vous je perds seulement la vue, quand de vous je perds seulement la vue, c'est à mon sens l'une des plus belles chansons qu'il ait écrites, hein, composées sur des vers, donc de poétique anglo-bourguignonne. C'est assez amusant, me hein, voyez, comme une époque n'est pas l'autre. J'aimerais bien qu'on me présente, ben oui, je faisais allusion aux alliances durant la guerre de Cent Ans anglo-bourguignonne. Je vous mets au défi, puisque c'est très à la mode, de me soumettre les meilleures productions poétiques de l'heure. Otano Kievienne ou Kievite. Hein. Oui, si vous ne connaissiez pas ce compositeur. Donc, Johannes Ockeghem, grand ami de Gilles Binchois, il écrira une déploration sur la mort de son ami Gilles Binchois, de la même manière que Josquin des Prez, lui, écrira une déploration sur la mort de Johannes Ockeghem. Eh bien, si on a fait un petit tour du côté de l'époque médiévale, oui, Moyen-Âge, déjà bien avancé, hein, le 15e siècle, c'est parce que dans les nouveautés, les bouquins que je tenais à vous signaler, le premier, je dois toujours en faire l'acquisition. Pour ne pas vous mentir, hein, j'ai pas mal de livres sur le Moyen-Âge récent ou moins, édités récemment ou même moins, dont je dois toujours faire la lecture. Donc, peut-être que je vais patienter encore un peu, mais plus trop pour Hildegarde. Elle aussi, elle a composé de la musique, cette grande mystique du Moyen Âge, Hildegarde von Bingen. Et je vous en avais déjà causé quelques mots sur cette étrange manière, ça arrive de temps en temps, dont on avait mis à la mode sur le marché du disque, hein, à un moment donné, oui, c'était assez à la mode, c'était assez tendance même de se la péter un brin en société pour se faire bien voir, de dire qu'on écoutait du Hildegarde von Bingen. Bon, je crois qu'on peut oublier, hein, je n'ai pas envie de me montrer plus désagréable et plus méchant que je ne suis. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'intéresser à elle, bien sûr, et notamment lire cette biographie qui vient d'être désormais disponible en folio, Hildegarde, elle est de Léo Henry. Une biographie assez consistante, hein, un volume assez épais. Non, je n'ai pas envie de me montrer, de paraître plus méchant que je ne suis, hein, pourquoi on va peut-être revenir en teinte normale si vous permettez. Voilà, oui, c'est beaucoup mieux. Quand, par exemple, bon, il y a eu Amadeus qui a permis tout de même à pas mal, hein, de découvrir Mozart dans les années 80. Est-ce que tous ceux qui ont flashé, si vous permettez, sur Amadeus dans les Ecties, tant qu'à faire dans les anglicismes, mais on arrêtera après, est-ce qu'ils ont tous approfondi réellement, sur une large ou plus large extension, l'univers de Mozart?
Je ne sais pas, mais je me souviens encore de tous les matins du monde où là, il y avait eu aussi un effet de mode autour, soudain, hein, autour de la musique du XVIIe siècle. Pas des plus évidentes à aborder, hein, pourtant, il me semble, surtout avec des partitions de Sainte Colombe ou pour viol de gambe de Marin Marais. Mais je suis persuadé tout de même que oui, il y en a qui ont fait, si ce n'a pas été le cas de tout le monde, il y en a qui ont dû pousser plus loin. Hein, vous voyez où je veux en venir, pousser plus loin la curiosité pour ce qui était d'aller non pas voir, mais y entendre davantage. Hein, donc voilà, ne jetons pas le bébé de la commercialisation de certaines choses en musique savante avec le bébé, voilà, qui peut éventuellement ensuite grandir dans nos têtes et oui, dans nos têtes de mélomanes qui, le cas échéant, n'auraient jamais cru une telle chose pareille, hein. Et c'est vrai que je dois me rappeler aussi que j'ai tout de même mis pour la première fois enfant le pied à l'étrier à cette musique savante classique avec Fantasia. Hein. Je vous avais dit que c'était mon premier ou mon deuxième disque classique avec la neuvième de Beethoven. Voilà, donc si ça vous dit d'en savoir davantage sur, pour revenir à elle, à Hildegarde, son prénom simplement, pour Hildegarde von Bingen, Hildegarde de Léo Henry. Il est bien noté dans, voilà, il est bien pour mes prochaines acquisitions. Et pour le suivant, là, je l'avais acheté directement, ben oui, je m'étais dit, ben oui, pourquoi pas, directement en grand. Et ce mois-ci, il sort en petit format, en poche, en LGF, en livre de poche. C'est un roman, et là, une autre dame, mais on a sauté au moins 7 ou 8 siècles, à mon avis. Suzy Solidor, je l'avais acheté dans la collection L'Indéfini, aux éditions Séguier. Je vais vous le montrer. Le roman de Suzy Fil d'or. C'est elle, bien sûr, en couverture. Le livre a été édité en 1940 pour la première fois. Suzy Solidor, qui a écrit des livres, elle s'était reconvertie dans la dernière partie de sa vie dans le monde des antiquités, en antiquaire. Avant cela, elle avait fait carrière dans la chanson. Hein, les pigeons de Notre-Dame, c'est la chanson d'elle que je préfère. J'adore, j'aime beaucoup, c'est très beau. Les pigeons de Notre-Dame, vous irez écouter si on peut trouver ça en ligne quelque part. Et ce roman va nous transporter dans un monde un brin nostalgique, dit sans aucune arrière-pensée de ma part, sans aucune intention de provocation de ma part, certainement pas. C'est que oui, elle a été dans la chanson, dans les bouquins, dans la littérature, et elle a tenu aussi un cabaret. Et peut-être à une époque aurait-elle dû faire attention, un zeste à certaines des fréquentations, à la manière dont étaient reçues certaines de ces fréquentations dans son cabaret à une époque. Mais écoutez, encore une fois, à l'époque où nous sommes, hein, et sans vouloir m'acharner, à l'heure où l'extrême majorité des belles âmes, des élites, s'il vous plaît, occidentales, encensent les pires fascistes libéraux de la planète, quand il ne s'agit pas des héritiers directs, oui, carrément des pires ayant jamais existé, vous n'allez tout de même pas venir me chercher noise en dessous de ma vidéo parce que je vous montre le livre de la pauvre Suzy, hein, tout de même pas. Mais
Plutôt qu'une dissertation de ma part, je me demande si, oui, là aussi, ça aurait été beaucoup mieux par lui. Olivier Barrault, qui a écrit le texte de présentation, me suffit été mieux de l'entendre dit par lui. Mais en clôture de ce numéro, je vais vous lire dans son intégralité le texte de présentation, la préface qu'il a rédigée, Olivier Barrault, pour ce fil d'or de Suzy Solidor, cette grande femme d'origine bretonne, originaire du côté de Saint-Malo. Grande femme, courts cheveux, blonde, assez sportive, athlétique. Et ce livre, oui, il a une résonance très nostalgique, il renverra pour certains, il renverra par bien des. Oui, certains lui trouveront des aspects bien désuets et en même temps, ils verront dans certains aspects de l'œuvre, de la production de Suzy, sur le plan sociétal, une personnalité tout de même en avance pour son temps. J'y reviens à la fin, hein, pas davantage. Ok. En LGF, le livre de Suzy, son fil d'or, et je voulais vous signaler également, je vous avais parlé, ça doit faire un petit moment, mais le numéro doit toujours être en ligne. Je vous avais dit à quel point j'appréciais ce peintre associé à l'époque impressionniste, Gustave Caillebotte. Oui, je l'ai ici à côté de moi. Ce n'est pas le livre que je ne possède pas encore non plus. Mais ici, j'ai cette monographie aux éditions Place de l'Étoile, due à Guillaume Morel. Vous l'avez déjà vue, mais je peux la remontrer. Gustave. Oui, Gustave Caillebotte, et derrière, c'était le tableau sur la pluie à Paris. Il y a un livre, non pas une monographie, mais un bouquin, oui, une étude, un essai en histoire de l'art, hein, qu'on pourrait classer dans cette catégorie. Et c'est Stéphanie, madame, on le doit à madame Stéphanie Chardot-Battery. Et ça vient de paraître il y a quelques jours aux éditions Fayard. Je l'ai aperçu en vitrine chez mon libraire et je me suis dit, ah, j'ai déjà parlé de ma passion pour l'art de Gustave. Alors ce bouquin, il faudra que je le signale à mes abonnés, à vous dans l'ensemble, qui me suivez. Et ça s'appelle, si je ne l'ai pas encore dit, Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu. Je ne sais pas, c'est peut-être exagéré un brin là encore, mais ce n'est pas, oui, ce n'est pas lui qu'on va mentionner en premier si on parle d'époque impressionniste en peinture, en peinture française. Ce n'est pas le nom qui viendra de la manière la plus, oui, qui fera surface de la façon la plus évidente, celui de Caillebotte. Et je suis tombé cet après-midi en langue anglo-saxonne sur un site américain ou anglais, en langue anglo-saxonne, qui était très intéressant et qui présentait pour une fois Caillebotte comme un peintre à sa façon, mais assurément, dit en anglais, de la working class, oui, de la classe travailleuse, du prolétariat. Et j'ai mis en enluminure, vous verrez en enluminure ces raboteurs. Hein, c'est un de ces tableaux, ça vous dira sans doute quelque chose, les plus connus, ces fameux raboteurs de parquet avec cette vision, hein, de travailleurs à la tâche, et nos amis anglo-saxons nous invitaient à mettre en vis-à-vis ces raboteurs à la tâche avec ces visions de bourgeois qu'ils qualifiaient, nos amis d'outre-Manche peut-être, ou d'outre-Atlantique, de bourgeois blasés façon Caillebotte, tels qu'on peut les voir sur le tableau du Paris pluvieux. Oui. Ils ont toujours des attitudes, on ne peut plus, si pas forcément méprisantes, non, mais blasées, retranchées, blasées, les bourgeois, les femmes, les hommes, dans l'ensemble des classes possédantes. Et
J'ai trouvé ça intéressant, cette vis-à-vis, dans une optique, oui, de voir Gustave comme peintre de la working class. J'ai trouvé l'idée assez épatante. Donc, chez Fayard, un nouveau livre, sur lui, L'impressionniste inconnu. J'en ferai l'acquisition aussi, un de ces quatre, et je vous en reparlerai. Alors, avant de lire le texte d'Olivier Barrault, la dernière nouveauté que je voulais vous signaler, mais avant de vous donner le titre du livre et le nom de l'auteur, je vous dis cette envie de faire plutôt dans le domaine sentimental, socio-affectif, allez savoir, eh bien, on trouve ça dans le dernier livre que je vais vous montrer. Je vous ai filé des tuyaux, nous dit l'auteur, sur la famille, l'éducation des enfants, l'identité sexuelle, les régimes, la beauté et le vieillissement. Vous voilà bien parti pour atteindre une sorte de sérénité ultramoderne. Mais quel que soit votre âge, il vous faut encore des conseils sur les affaires de cœur. Tomber amoureux est un boulot à temps plein, sans grande sécurité de l'emploi. Le chômage romantique, ça n'existe pas. Il y en a toujours un plus amoureux que l'autre dans un couple, m'a toujours dit mon ami Pat Moran. Alors, faites en sorte que votre moitié ne sache jamais si c'est vous ou non. C'est un bon conseil, même s'il est difficile à suivre. Bafouiller « je t'aime » est toujours hasardeux parce que ça exige une réponse. Un petit conseil, ne dites jamais « je t'aime » tout haut à la personne concernée, à moins qu'elle ne se soit endormie. Ça met moins de pression, ça évite les réponses non désirées. Et vous serez entendu de façon subliminale. Quand votre moitié se réveillera, elle aura intégré ce que vous lui avez dit. Elle sentira votre amour sans pression, sans contrôle, sans disparité, et elle pourra vous aimer en retour. Et si c'est à vous qu'on le dit dans votre sommeil, vous l'entendrez sans en avoir conscience, vous vous réveillerez de meilleure humeur, sûr de votre bien-être, éveillé par cette confession subconsciente, curieusement, émotionnellement satisfait. Eh oui, oserais-je le dire, content. Ça peut ne durer qu'une seconde et s'évanouir, et alors, tout un tas de gens n'ont jamais droit à cette seconde. Faites-le. Chuchotez « je t'aime » ce soir, tout bas. Mais surtout, qu'on ne vous entende pas. C'est de John, hein, ce sacré John Waters, l'un des enfants les plus géniaux de l'Amérique contemporaine. Et voici disponible, petit format, là aussi désormais, son dernier ouvrage autobiographique par le cinéaste du Maryland de 77 ans, et je peux vous assurer qu'il la tient, la forme, John Waters. Monsieur, je sais tout. Bon. Voilà, hein, monsieur, no comment, demandez en moteur de recherche pour mieux apprécier la photo. Monsieur, je sais tout, conseils impurs d'un vieux dégueulasse. Oh, il exagère, hein, j'en connais nettement plus, j'en ai croisé alors nettement plus dégueulasse que lui, hein. C'est sa façon à lui de le voir, mais il est vrai qu'à ses débuts, hein, il avait acquis cette réputation sulfureuse de cinéaste de mauvais, voire des fois de très mauvais goût, avec des trucs qui étaient, il faut le reconnaître, pour l'époque, franchement barrés. C'est passionnant, avec beaucoup de conseils si vous souhaitez faire carrière dans l'audiovisuel, dans le cinéma aujourd'hui.
Pas mal d'informations passionnantes sur l'univers d'Hollywood et pas seulement du cinéma US en général. Comment ça se passe, comment ça s'est passé pour lui, notamment lorsqu'il est peu à peu sorti de l'underground, sans jamais se renier pour autant, vraiment. Et voilà, j'y reviendrai car il y a aussi son roman Salle menteuse qui est sorti là en grand format chez le même éditeur, Actes Sud. Donc j'y reviendrai sur son Je sais tout, son Monsieur Je sais tout, comme je reviendrai sur Salle menteuse. Merci à vous, Actes Sud, hein, chez Actes Sud, John. Toutes les références détaillées en description. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi et si ça vous dit d'entendre à présent, le temps que je me rince le gosier, le texte, je ne pense pas qu'il me fera de procès. Si pour une fois, voilà, je lis, c'est moi qui fais lecture d'un texte d'Olivier Barrault dans Pour une fois, voilà, ou pardon, peut-être, le cas échéant, peut-être. Merci encore à vous et rendez-vous dans un peu moins d'une petite semaine. Pas interdit de s'abonner, voire de liker. Je vais revenir. Mon légionnaire d'emblée s'imposent les images, les refrains, la légende. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, chantait Marie Duba. En 1936, et Serge en 1987, c'est moi qui ajoute, bien avant Édith Piaf, un triomphe, la mélodie de Marguerite Monnot et les paroles de Raymond Asso touchent le grand public correspondant à un univers mental très répandu en une époque où le colonialisme, loin d'éveiller la culpabilité, flatte l'orgueil national. Entretenu par les romans de Pierre Macourlande, Jean Dème, des frères Tharaud, d'André de Maison, et par des films comme Le Grand Jeu, Morocco, Sarati le Terrible, un de la Légion ou Légion d'honneur, Grand Prix du cinéma français, la vision d'une Afrique civilisée au mépris des dangers par une France généreuse domine les consciences. Outre-Méditerranée, souffle le vent de l'aventure et retentit l'appel du départ porté par les exploits de la plus prestigieuse unité combattante de l'armée française, la Légion étrangère. C'est dans ce cadre que se situe Fil d'or, le très curieux roman de Suzy Solidor. Dédié à ceux du large et à ceux du bled, cette histoire de marine et de désert débute en avril 1936 dans un fortin du Sahara occidental où bivouaque une escouade de légionnaires. Ils en ont vu de toutes les couleurs au cours de leur vie civile antérieure et, plus ou moins en alerte, attendent une éventuelle attaque des salopards, les guerriers rôdent en face. On s'ennuie un peu, on se raconte les bonnes fortunes et les déceptions, on se charrie et on se soutient car la Légion, c'est d'abord un copain. Il y a là un capitaine et des soldats, parmi lesquels matelots, anciens marins et du sceau. Et comme rien ne se passe, un peu comme dans le désert des Tartares, le passé emplit les conversations et matelot, du genre disserte, se souvient de Fil d'or. Comme tu n'en connaîtras jamais de fil, jamais, même à la Légion et par toute la terre, un malouin, Rabelais, Taiseux, mais avant tout un navigateur d'exception, aux commandes d'une nuit, en partance vers l'Angleterre. Une nuit, le vent se lève, hommes et navires affrontent une tempête homérique à laquelle Fil d'or oppose son sang-froid et son expérience. Suzy Solidor elle-même, Malouine, connaît le sujet et nous offre une description du combat, je n'exagère pas, digne de Typhon de Joseph Conrad. Le grand mât s'effondre, le bateau manque coulée et au milieu des éléments déchaînés, un indécelable secret est révélé qui décidera du destin de tous les personnages. À cet épisode breton qui densifie fortement le récit,
succède un détour en Afrique du Nord en compagnie des protagonistes de la première partie du récit avant un ultime retour à la Bretagne originelle, celle de Fildor qui, à sa manière, survit à l'inéluctable tragédie. Le désert est pareil à l'océan, il unit les hommes, il en fait une communauté anonyme et fraternelle. Suzy Solidor publie son livre l'année même de la défaite de 1940 aux Éditions de France. Celles-ci sont dirigées par une importante figure de la vie intellectuelle et politique, Horace de Carbuccia, fondateur avant-guerre de l'hebdomadaire Gringoire, qui soutient désormais fermement la politique de Vichy et clame son antisémitisme. Un temps député de Corse, Carbuccia a accueilli ou accueillera en son catalogue les plus zélés défenseurs de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Les Henriot, les De Grelle, les Béraud, les Doriot, les Claude et autres Cousteau, mais aussi son ami Joseph Kessel, juif argentin, proche de Suzy, qui devait bien se douter des penchants politiques de l'éditeur. Figure éminente des soirées parisiennes sous l'occupation, Suzy Solidor, comme Sacha Guitry ou Arletty, incarne exactement, par son comportement, les ambiguïtés d'une époque trouble. On a pu parler au pire de trahison, à tout le moins d'imprudence. Si elle n'a dénoncé personne, elle s'exhibe sans retenue aux côtés de l'occupant, cette infâme garçonne qui ne recevait que la clientèle allemande en son cabaret de la rue Sainte-Anne. La vie parisienne, comme l'écrit un commentateur du temps. C'est que Suzy Solidor n'est pas n'importe qui. Fille naturelle d'un élu malouin, elle éprouve tôt une attirance majeure pour son propre sexe, qu'elle affiche non sans éclat. La fameuse antiquaire mondaine Yvonne de Brémondard, dont elle partage la vie, lui fait connaître le tout Paris, qui s'éprend de l'allure élancée, de la coiffure aux courts cheveux blonds, de la liberté, de mœurs, amours multiples et simultanées, féminines et masculines, liaisons quasi officielles et passionnées avec l'irrésistible Jean Mermoz, de celle qui se lance dans la chanson de marin et la mélopée langoureuse pour y connaître le succès grâce à sa gestuelle, toute de sensualité et plus encore à sa voix qui, dit-on, part du sexe, sa voix qui part du sexe, comme l'écrit son cher Cocteau, qui aurait, murmure-t-on, songé à un enfant avec elle, Suzy, ou pour les peintres, le modèle d'une sophistication singulière, puisqu'il existe 200 portraits d'elle par Marie-Laurencin, Fujita, Vandenganne, Kissling, Picabia, Dufy, Vlaminck, Jean-Gabriel Domergue, Labisse, Manet, Tamara de Lempicka, son ami de cœur, qui sait le mieux la représenter, et même Bacon. Ce que la mémoire a sans doute le mieux retenu, c'est l'accent rauque de Suzy qui lui fait refuser la mère de traîner et choisir cette chanson à la destinée paradoxale qu'est Lili Marlène, qu'elle interprète à partir de 1942. Composée pendant la Grande Guerre en Allemagne, où elle s'impose comme chant militaire, immortalisée par Marlène en allemand et en anglais, reprise par les Tommies britanniques, Lili Marlène se voit traduite en quelques 50 langues. Suzy échappe à la justice de l'épuration, qui ne lui adresse qu'un blâme, et peut ouvrir rue Balzac en 1954 un nouvel établissement à son nom chez Suzy Solidor, où se croisent entre autres deux aspirants baladins, Georges Brassens et Léo Ferré. Retirée sur la Côte d'Azur, elle s'éteint en 1983, oubliée de beaucoup, sinon de tous.